Elisabeth Kindelman, aide-moi à mettre de l'ordre dans mes pensées, car parler de toi, c'est aussi parler de ce que l'homme ne peut accepter. Je suis bien heureux de pouvoir lire ton journal spirituel, et comme à chaque fois, je n'en doute pas, c'est Jésus qui l'a mis sur ma route. Quelle leçon de vie tu peux offrir aux hommes, spécialement à ceux qui se plaignent. Voilà exactement où j'en étais lorsque j'ai ouvert ton livre. Vous rendez-vous compte, mes frères, que cette femme, pour servir la cause, pour sauver des âmes, avait à ce point renoncé à elle-même qu'elle cuisinait ses repas sans la moindre saveur. Elisabeth Kindelman, comment faire comprendre aux hommes assoiffés d'épanouissement personnel que le Christ s'est servi de tes souffrances pour sauver des âmes et le monde. Ah bon, vous ne me croyez pas, ça alors vous m'envoyez très étonné. Comment faire boire un âne qui n'a pas soif? Pourtant, un jour, elle se fera sentir. Ah bon, vous ne me croyez pas, ça alors vous m'envoyez très étonné. Comment faire boire un âne qui n'a pas soif? Pourtant, un jour, elle se fera sentir. Hommes ignorants, si loin de comprendre que si votre petit confort perdure, c'est parce que des âmes se sont immolées, deviennent victimes pour sauver le monde. Alors que vous jouissez, ces âmes souffrent de grandes souffrances qu'elles accueillent sans fanfare. C'est à ce prix, pour maintenir l'équilibre, qu'elles réparent l'iniquité humaine. Leur vie est un martyre inimaginable, mais sans elles, soyez persuadés que le bon Dieu, écœuré par l'homme, ne retiendrait plus son bras pour nous frapper. Elisabeth Kindelman, tous les lundis, tu jeûnais au pain et à l'eau. Ainsi parlait Mary de cette privation. Une âme sacerdotale sortait du purgatoire. Elisabeth Kindelman, beaucoup se moqueraient de toi. Pourtant, c'est par toi que Marie a propagé sa flamme d'amour qui aveugle Satan pour sauver les âmes et nous protéger. Ah bon, vous ne me croyez pas, ça alors vous m'envoyez très étonné. Comment faire boire un âne qui n'a pas soif? Pourtant un jour elle se fera sentir. Ah bon, vous ne me croyez pas, ça alors vous m'envoyez très étonné. Comment faire boire un âne qui n'a pas soif? Pourtant un jour elle se fera sentir.